Bonjour à toutes et à tous. Et merci d'être aussi nombreux à Nantes. Merci aux équipes qui permettent que se tienne ce meeting. Merci à tous les militantes et militants qui vont faire, qui font de cette campagne une réussite. Alors, je suis Aurélie Trouvé, donc présidente du Parlement de l'Union populaire. Ça fait maintenant 20 ans que je milite dans les mouvements sociaux. Mais c'est la première fois que je participe à une élection, que je participe à des meetings politiques, un meeting de l'Union populaire. Et alors, qui est dans ce cas-là ici ? Peut-être, est-ce que vous voulez bien lever la main ? Eh bien, ça fait du monde, c'est super. Alors, c'est vrai, il y aurait tant de raisons d'être abattu. L'inaction climatique, le démantèlement des droits sociaux, l'étouffement des libertés publiques, il y aurait tant de raisons. Mais me revient à chaque fois cette phrase du mouvement altermondialiste dont je proviens, « Un autre monde est possible ». Et me reviennent ces mots de Salvador Allende. Et alors bientôt s'ouvriront ces larges avenues qu'emprunteront les femmes et les hommes libres pour bâtir une société meilleure. Et ces mots, eh bien Gabriel Boric les a repris. Il est maintenant président du Chili. Et il l'a emporté. Il l'a emporté face à ces monstres. Face à ces monstres du clair-obscur qui apparaissent entre le vieux, entre l'ancien monde et le nouveau monde. Il a emporté sur un projet de transformation profonde de notre société. Mais cette victoire au Chili, c'est aussi celle des mouvements sociaux. C'est aussi celle des mobilisations féministes, antifascistes. C'est aussi celle des mobilisations contre la hausse des prix pour une assemblée constituante qui ont marqué les dernières années au Chili. Et c'est ce que nous portons dans l'Union populaire. Nous portons ces luttes, nous portons ces pensées critiques, nous portons ces imaginaires subversifs qui émanent des strates les plus profondes, les plus diverses de notre société. Et c'est ainsi que nous redonnerons du sens à la politique, c'est ainsi que nous reconnecterons la politique et la société, et c'est ainsi que nous comptons rassembler. Alors, de la même façon que Gabriel Boric reprend la grande histoire de l'Union populaire, de l'unité populaire au Chili, eh bien, nous reprenons le fil historique de la gauche française, de la gauche européenne. Nous reprenons ces luttes dans lesquelles je suis, dans lesquelles vous êtes, et qui nous donnent du souffle. Pour ma part, les contre-sommets altermondialistes, la bataille contre le traité constitutionnel européen, mais aussi ces dernières années, les marches pour le climat, les gilets jaunes, les batailles contre la réforme des retraites, contre la loi sécurité globale, contre les violences policières, contre les violences sexuelles et sexistes, les batailles des enseignants, des soignants, des magistrats qui luttent pour les services publics. Et tant d'autres qui ont rassemblé des millions de citoyens. À tout cela, nous leur disons, rejoignez-nous, rejoignez le programme de l'avenir en commun. Et c'est ainsi que nous pourrons constituer un bloc majoritaire, un front commun, social, écologique et démocratique. Alors, je voudrais finir en disant que tous ceux qui pensent que la gauche n'est pas à terre, tous ceux qui pensent que, ici même à Nantes, dans l'Union populaire, nous allons relever la tête. Tous ceux qui pensent que nous allons convaincre, quartier après quartier, immeuble après immeuble, dans les semaines et les mois à venir, eh bien tout cela, levez-vous, on se lève, on se bat.
présent. Alors, on me dit que maintenant, il faut quand même se rasseoir juste le temps du meeting. Nous allons entendre un nouveau soutien de l'Union populaire. Monsieur le député communiste de Seine-Maritime, Sébastien Jumel. Bonjour à vous, à Dieppe, dans la ville où j'ai mon ancre, mon port d'attache. Il y a une phrase qu'on aime répéter à l'envi, « Homme libre, toujours tu chériras la mer ». C'est avec cette liberté d'esprit, cette conviction ancrée aux tripes, que je m'exprime devant vous aujourd'hui. Avec sérieux, avec responsabilité. On a une situation politique où, depuis 5 ans, les macronistes, les marcheurs et leur armée de Playmobil font mal aux vies. Ils ont détricoté avec force notre modèle social. Ils ont cassé tout ce que nous avons construit dans le sang et les larmes de la libération pour prendre soin des Français, notamment nos services publics les plus structurants. Et ils ont détricoté la République présente partout et pour tous. Dans ce contexte, l'élection présidentielle est évidemment un moment déterminant. La gauche appréhende cet événement majeur en étant, comme on dit chez les tontons flingueurs, éclaté façon puzzle. Face à cela, comme député communiste, fidèle à ma devise « trop insoumis pour être insoumis », mais suffisamment indiscipliné pour être communiste, je fais le choix de mettre ma force, ma détermination au service de la campagne conduite par Jean-Luc Mélenchon. Pour faire rentrer dans cette campagne les sujets qui me tiennent à cœur. D'abord, considérer que dans la période que nous vivons, il y a urgence à réarmer l'hôpital, à se donner les moyens dans la France du XXIe siècle d'avoir la santé présente partout et pour tous. Ensuite, la période de crise que nous avons traversée milite pour que nous puissions recouvrer notre souveraineté industrielle. Fort de la richesse de nos filières, fort du savoir-faire des ouvriers, des techniciens, des ingénieurs, la France doit à nouveau faire la démonstration qu'elle est capable de produire pour ses propres besoins. La pénurie des masques, des tests, des respirateurs ont été l'illustration de cela. Qu'elle est capable de travailler à sa souveraineté alimentaire en prenant soin des agriculteurs, sans anathème, et en prenant soin des pêcheurs, comme sève de notre identité maritime. Et puis la crise que nous venons de traverser, pour ne pas faire trop long, milite, et avec mon copain Ruffin, et avec de nombreux copains insoumis, nous avons beaucoup milité pour ça, pour que tous ces métiers du lien, tous ces invisibles qui ont tenu le pays, les ATSEM, les AESH, les aides-soignantes qui ont pris soin des aînés dans les EHPAD, puissent être reconnus. Un pays qui prend soin de ses habitants doit prendre soin des métiers qui font du lien, qui créent du lien. C'est fort de cette conviction que la campagne des présidentielles ne doit pas simplement être une campagne de témoignage, mais qu'elle doit nous conduire à être le plus nombreux possible dans l'hémicycle après cette séquence, comme député insoumis, comme député communiste, comme député de la gauche qui ne renonce pas, de la gauche qui ne se couche pas, de la gauche qui reste debout, à porter la voix du peuple, à porter la voix des territoires, que je considère aujourd'hui qu'il faut être en rang serré derrière le candidat qui est le mieux placé pour se qualifier au second tour et bousculer les libéraux au second tour au point de les faire tomber. C'est avec cette énergie-là que j'entre dans cette belle campagne des présidentielles, avec cette liberté d'esprit-là, en assumant nos différences, mais avec la conviction que ce qui nous rassemble est plus fort que ce qui nous sépare. Je crois que le peuple, dans sa diversité, le peuple de France, le peuple de gauche, attend de nous que nous puissions mettre l'accent sur ce qui nous rassemble. Tel est le sens de ce message fort, symbolique, que je prononce depuis Dieppe. Dieppe la belle, Dieppe la rebelle, Dieppe la libre, et Dieppe qui sait à quel point elle a le cœur à gauche.
Et j'ai maintenant l'immense plaisir d'accueillir un nouveau soutien, et un soutien très très important pour l'Union populaire, monsieur le maire de Trappes, Ali Rabé. Merci à toi Aurélie, merci à vous tous qui m'accueillez aujourd'hui. Merci de me donner la parole, comme Sébastien avant moi, dans un moment particulier, un moment important. Nous sommes au cœur d'une crise mondiale, d'une pandémie, dont les profiteurs de crise savent, comme toujours, tirer les profits par milliards, pendant que les premiers de corvée continuent d'être au front, en première ligne, et doivent se contenter des miettes. En attendant le ruissellement hypothétique que nous leur avons promis, mais dont nous avons bien compris qu'il n'interviendra jamais. C'est un moment particulier aussi parce que l'extrême droite et la droite radicalisée saturent l'espace et le débat politique. Qu'elle soit incarnée par Marine Le Pen ou par Valérie Pécresse, par Éric Ciotti ou par Éric Zemmour, jusqu'au sein même du gouvernement avec Gérald Darmanin qui sait en être le porte-parole. Ces idées nauséabondes saturent encore une fois cette présidentielle. Alors c'est dans ce moment particulier où un président de la République revendique d'insulter et de mépriser, d'emmerder les Français par millions. Ce même président de la République qui se couche à plat ventre devant les exilés fiscaux qui ne souhaitent pas payer leur juste part à la solidarité nationale, c'est dans ce moment particulier que je prends ici devant vous la parole. Je viens vous dire qu'il est temps de les déloger. Ce gouvernement, cette majorité, est fort avec les faibles et faible avec les forts. Il est temps de mettre fin à un quinquennat qui a épuisé les classes populaires. Je suis maire de Trappes, une ville ouvrière, une ville populaire. Et je vous dis que nous ne pouvons pas laisser au pouvoir une majorité aussi lâche et impitoyable avec ceux que je suis fier de représenter. Il est temps de relever la tête et d'opposer à cette majorité non pas une union de façade, non pas une union désespérante, mais bien un projet de société audacieux et mobilisateur. C'est pour cela que je suis ici aujourd'hui parmi vous. Je viens vous dire que je ne fais pas aujourd'hui le choix d'un homme, ni même d'un parti. Je fais le choix d'un projet de société. Un projet de société qui m'a convaincu et qui aujourd'hui me mobilise, celui de l'avenir en commun. Je viens dire, face au délire et au fantasme de l'extrême droite, des obsédés du grand remplacement, que le concept de créolisation porté par Jean-Luc Mélenchon me parle et que je le vis et que je le vois se déployer dans ma ville. Je viens vous dire que face au cynisme d'un président de la République qui n'a d'autre perspective pour la jeunesse de notre pays que de s'endetter pour financer ses propres études, qu'il est plus que jamais nécessaire de réaffirmer que l'éducation est un droit et non pas un privilège pour ceux qui ont la chance d'être bien nés. Je viens vous dire qu'il m'est devenu absolument insupportable de voir les milliards pleuvoir sur des entreprises qui n'ont comme seule priorité que d'augmenter leurs dirigeants et leurs actionnaires tout en multipliant les suppressions d'emplois, les délocalisations en période de crise. Dans ma ville, je suis confronté au quotidien comme maire à la détresse des familles qui ne mangent même plus à leur faim,
Et ce spectacle m'est devenu insupportable au moment où les profiteurs de crise se gavent à coups de milliards. Alors je suis venu ici à Nantes vous dire qu'il faut effectivement assumer la planification pour engager la bifurcation écologique. Que si nous souhaitons, comme je souhaite le faire à Trappes, déployer les réseaux de chaleur urbains pour produire localement et consommer localement l'énergie dont nous avons besoin, dont les classes populaires ont besoin, alors nous aurons besoin, nous les maires, des 200 milliards du plan de la bifurcation écologique porté par l'avenir en commun. Je suis venu vous dire aussi qu'il faut tailler en pièces le discours qui exige l'union pour l'union, qui consiste à dire que l'unité est une fin en soi. Je suis venu vous dire que je suis prêt à joindre mes forces aux vôtres pour mobiliser les classes populaires, pour lutter contre la résignation, pour nous mobiliser face à ceux qui souhaitent nous soumettre, qu'il est temps de nous organiser autour d'un horizon désirable. C'est la raison pour laquelle, Aurélie, je vous annonce, en tant que maire, apporter mon parrainage à la candidature de Jean-Luc Mélenchon et en tant que citoyen, mon soutien à l'avenir en commun. Merci, merci Ali Rabé. Alors, vous savez à quel point la culture, la création sont essentielles dans notre combat. Place maintenant à l'acte 1 de ce meeting avec Madame la députée de Seine-Saint-Denis, Clémentine Autain. À grand bruit. Il me semble que mademoiselle Cherfis, la professeure de français, n'est pas encore arrivée. Jeanne D, une élève que je ne fréquente pas, ses parents sont des gens chics, les seuls opticiens de la ville, s'écrie à la cantonade « Ça pue l'eau de Javel !» Mais qu'est-ce qui pue l'eau de Javel ? Je ne supporte pas l'eau de Javel. Je voudrais rentrer sous terre. Je cache mes mains sous le bureau, peut-être dans les poches de ma blouse. Je suis affolée de honte. Terrorisée à l'idée d'être désignée par l'une ou l'autre de mes voisines, car c'est moi qui sens l'eau de Javel. Sans doute, à ce moment, j'aimerais revenir une demi-heure en arrière, chez nous, dans la cuisine, où, comme d'habitude, après le repas, je me suis lavé les mains dans la cuvette d'eau placée en permanence à cet usage. Il n'y a pas d'eau courante à la maison, sans être gênée le moins du monde par l'odeur d'eau de Javel qui, cette fois, s'en dégageait. En cet instant, la fille de quatrième que je suis saisit tout très bien. Que l'odeur de la Javel, ainsi dit-on chez moi et non eau de Javel, qui était jusqu'ici le signe même de la propreté, celle des blouses de ma mère, des draps, du carrelage frotté et du seau de nuit, une odeur ne dérangeant personne, bien au contraire, est une odeur sociale. Le signe de l'appartenance à un milieu très simple, comme disent les profs, c'est-à-dire inférieur, l'odeur de la femme de ménage de Jeanne D. À ce moment, je hais Jeanne D. Je me hais encore plus, non pas de ma lâcheté qui m'empêche de dire que c'est moi, je me hais d'avoir trempé les mains dans la cuvette d'eau, d'être ignorante des dégoûts du monde de Jeanne. Je me hais d'avoir fourni à celle-ci un motif de m'humilier secrètement. Je me suis jurée certainement à ce moment-là de ne plus recommencer, de faire attention désormais à cette odeur-là. En somme, je viens de rompre avec des générations de laveuses à l'eau de Javel. Courte citation de Pier Paolo Pasolini. 1. Il y a une idée directrice que tout le monde partage sincèrement, intrinsèquement, l'idée que la pauvreté est le plus grand malheur du monde et que donc à la culture des classes pauvres devrait se substituer la culture de la classe dominante. En d'autres termes, notre faute en tant que père consisterait à croire que l'histoire n'est et ne saurait être que l'histoire bourgeoise. 2. Une grande œuvre de normalisation
à imposer les modèles voulus par la nouvelle classe industrielle, qui ne se contente plus d'un homme qui consomme, mais qui prétend que d'autres idéologies que celles de la consommation sont inadmissibles. 3. Le refus a toujours tenu un rôle essentiel. Les saints, les ermites, mais aussi les intellectuels, le petit nombre d'hommes qui ont fait l'histoire, sont ceux qui ont dit non, et non pas les courtisans et les valets des cardinaux. Cependant, pour être efficace, le refus doit être total et non pas porté sur tel ou tel point. 4. Il ne faut jamais, en aucun cas, craindre l'immaturité des électeurs. C'est le même raisonnement que font les censeurs et les magistrats quand ils considèrent que le public n'est pas mûr pour certaines œuvres. C'est grâce à toi que j'ai découvert le boulot, tu m'as fait rencontrer tes collègues. Voilà. Et donc c'est un peu à cause de toi aussi qu'on s'est lancé dans cette mission sur les métiers du lien. Là tu me fais faire beaucoup de boulot à cause de toi. Ah oui, c'est vrai. Puis alors, quand j'ai eu la mission, m'ont foutu un autre rapporteur, je savais qu'il y aurait quelqu'un en marche. Ils m'ont foutu Bruno Bonnel. Bruno Bonnel se moque de ce qu'on pense de lui au niveau local. Ce qui se dit en circo, j'en ai rien à foutre. Je ne suis pas là pour faire l'assistante sociale. Bruno Bonnel, je me dis putain, pourquoi ils mettent cette tête de con. On n'entendait pas souvent parler des métiers de tiers de vie. Ça sera encore long, mais on parle quand même de nous. C'est juste dingue, parce qu'elles ont toutes la même vibration de don, d'amour. Enfin, ça prend au trip. Mais vivre sans tendresse, on ne le pourrait pas. Non, 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 on ne le pouvait pas. Je me réveille à 4h30, on va dire. Et puis le soir, le temps de rentrer, en gros, je me couche souvent les 22h30. Et c'est 12 heures d'amplitude pour 4 ou 5 heures payées au SMIC, quoi. Vous diriez qu'ils sont exploités, ces gens-là? C'est l'évidence. Donc toi, t'es une travailleuse pauvre. Je suis une travailleuse pauvre. Mais on a notre métier. Moi, j'aime ça. J'ai toujours fait ça, donc... Nous demandons, par cet amendement, des horaires dignes et un salaire décent. Voilà, la loi est partie, donc maintenant on va voir. T'as failli y croire. Rejeté, 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 rejeté. Mais oui, je parle avec colère parce que les gens vont continuer à se lever à 4h du matin, être payés 3 heures à 10 euros. Vous laissez faire ça. Tes collègues, j'en ai marre. Nous toutes, on doit être toutes ensemble, les femmes, debout. Ensemble, on nous opprime les femmes. Sans passé, les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire, depuis la nuit des temps, les femmes, nous sommes le continent noir. Debout, femmes esclaves, et brisons nos entraves. Debout, debout, debout. Asservies, humiliées, les femmes, achetées, vendues, violées. Dans toutes les maisons, les femmes, loin du monde, reléguées. Debout, femmes esclaves, et brisons nos entraves. Debout, debout, debout. Reconnaissons-nous les femmes, parlons-nous, regardons-nous. Ensemble on nous opprime les femmes, ensemble révoltons-nous. Debout, femmes esclaves, et brisons nos entraves. Debout, debout, debout. Debout, debout, debout. Il faudra aller loin et tellement plus haut
pour être un peu mieux que rien. Qu'est-ce qu'un viol, sinon que cela ? Férocité pure, exercice de pouvoir brut. C'est une énorme erreur que de le confondre avec le sexe. Il s'agit d'un spasme de rage, d'une invasion violente, d'un désir de dominer et de détruire. Tel un missile détecteur de chaleur, il cherche la partie la plus vulnérable du corps de la victime afin de provoquer le plus de dégâts possible. C'est une punition, c'est une domination, c'est l'éradication de la menace, la démolition volontaire de toutes les limites qui font de nous des êtres humains. Quand le garçon se retourne, et déclare « fini de rire » en me collant la première beigne, ça n'est pas la pénétration qui me terrorise, mais l'idée qu'ils vont nous tuer, pour qu'ensuite on ne puisse plus parler, ni porter plainte, ni témoigner. De la peur de la mort, je me souviens précisément cette sensation blanche, une éternité, ne plus rien être, déjà plus rien. Ça se rapproche davantage d'un trauma de guerre que du trauma de viol, tel que je le lis dans les livres. C'est la possibilité de la mort, la soumission à la haine déshumanisée des autres qui rend cette nuit indélébile. Pour moi, le viol avant tout a cette particularité. Il est obsédant. J'y reviens, tout le temps. Depuis 20 ans, chaque fois que je crois en avoir fini avec ça, j'y reviens. J'imagine toujours pouvoir en finir avec ça. Impossible. Il est fondateur de ce que je suis et en même temps de ce qui me défigure et de ce qui me constitue. Ô sœur, au cœur d'acier trempé, tes combats sont les fils de notre humanité. Ô sœur, de tes larmes versées, dans ton poing serré germe la paix. Je m'appelle Fatima. Fatima est un prénom féminin, musulman. Je suis censée être une fille, alors je commence à me maquiller au lycée. J'ai les cheveux longs, je ressemble de plus en plus à une femme. Ça plaît aux garçons. Moi, ça ne me plaît pas. La femme n'est victime d'aucune mystérieuse fatalité. Les singularités qui la spécifient tirent leur importance de la signification qu'elles revêtent. Elles pourront être surmontées dès qu'on les saisira dans des perspectives nouvelles. Les ovaires ne la condamnent pas à vivre éternellement à genoux. Il est temps que vous ne voyez plus en nous des femmes serviles, des animaux domestiques. Nous sommes fiers et féministes et radicales. Nous voulons substituer toutes les vertus et tous les miracles de la République à tous les vices et à tous les ridicules de la monarchie. La République n'est pas faite pour cacher la misère du peuple, mais pour la proclamer et la guérir. Derrière la lutte politique, il y a la lutte des intérêts. La République a pour programme d'aider les faibles dans leur lutte contre les forts. La démocratie politique, le socialisme, a pour formule la souveraineté économique du peuple, la souveraineté du travail. La République n'est pas un dogme, je dirais même que ce n'est pas une doctrine, elle est avant tout une méthode. La République, c'est le droit de tout homme, quelle que soit sa croyance religieuse, à avoir sa part de souveraineté. Ces lois, nous voulons les rompre, et même par la révolution. S'il le faut, abolir la légalité capitaliste pour faire surgir
un ordre nouveau. La République s'est proclamée que les hommes ne chercheront jamais dans une dictature, même passagère, une trêve funeste et un lâche repos. Nous ne voulons pas que la bourgeoisie emporte, comme en une banqueroute frauduleuse, notre trésor, le trésor du peuple, la République. Oh, République imbécile, qui toi-même te trahissais, qui toi-même te couchais sous l'insolence des grands chefs. Es-tu bien réveillé maintenant ? Es-tu résolu à te défendre ? La devise de la République sociale, ni oligarchie, ni bureaucratie, mais une vaste coopération sociale où les règles sont définies par tous. La République n'est pas un dogme, elle est une méthode pour atteindre la plus haute efficacité de toutes les énergies humaines. L'abstention de l'État, il ne faut point se le dissimuler. C'est l'abandon à tout jamais de ceux qui souffrent. Oui, la République est un grand acte de confiance et un grand acte d'audace. Chacun de nous a besoin de la mémoire de l'autre, parce qu'il n'y va pas d'une vertu de compassion ou de charité, mais d'une lucidité nouvelle dans un processus de la relation. Et si nous voulons partager la beauté du monde, si nous voulons être solidaires de ses souffrances, nous devons apprendre à nous souvenir ensemble. On ne peut vaincre ni dépasser les prosaïques en demeurant dans la caverne du prosaïque. Il faut ouvrir en poétique, en décroissance et en sobriété. Rien de ces institutions si arrogantes et si puissantes aujourd'hui, banques, firmes transnationales, grandes surfaces, entrepreneurs de santé, téléphonie mobile, ne sauraient ni ne pourrait y résister. Les capitalismes contemporains réduisent la part salariale à mesure qu'il augmente sa production et ses produits. Quand il délocalise, ce n'est pas dans la recherche d'une main-d'œuvre abondante, mais dans le souci d'un effondrement plus accéléré de la part salariale. La frontière est cette invitation à goûter les différences. La créolisation, pour moi, c'est le métissage des cultures qui produit de l'inattendu. Pourquoi une nation ne pourrait pas être constituée d'ensemble de cultures qui sont en relation, sans s'éteindre ni se diluer ? C'est pour ça que je suis contre le mot « intégration ». Le climat et nous sommes. Les économistes, les gouvernements, les hommes d'affaires réclament la croissance en soi, sans jamais en définir la finalité. Le contenu de la croissance n'intéresse pas les décideurs. Ce qui les intéresse, c'est l'augmentation du PIB, c'est-à-dire l'augmentation de la quantité d'argent échangé, de la quantité de marchandises échangées et vendues au cours d'une année, quelles que soient les marchandises. Rien ne garantit que la croissance du PIB augmente la disponibilité des produits dont la population a besoin. Dans les faits,
Ces 300 répondent d'abord à un besoin du capital, non aux besoins de la population. Elles créent souvent plus de pauvres et plus de pauvreté. Elles profitent souvent à une minorité au détriment de la majorité. Elles détériorent la qualité de la vie et de l'environnement, loin de l'améliorer. Quelles sont les richesses et les ressources qui manquent le plus souvent aux populations ? Une alimentation saine et équilibrée tout d'abord. L'eau potable, de bonne qualité, de l'air pur, de la lumière, de l'espace, un logement salubre et agréable. Mais l'évolution du PIB ne mesure rien de tout cela. Prenons un exemple. Un village creuse un puits et tout le monde peut y puiser de l'eau. L'eau est un bien commun et le puits le produit d'un travail commun. Il est source d'une plus grande richesse de la communauté. Mais il n'augmente pas le PIB, car il ne donne pas lieu à des échanges d'argent. Rien n'est acheté ni vendu. Mais si le puits est approprié par un entrepreneur privé qui demande à chaque villageois de payer l'eau qu'il tire, le PIB augmentera des redevances encaissées par le propriétaire. La croissance est pour le capitalisme une nécessité systémique totalement indépendante et indifférente à la réalité matérielle de ceux qui croient. Elle répond à un besoin du capital. Elle conduit à ce développement paradoxal qui fait que dans les pays au PIB plus élevé, on vit de plus en plus mal tout en consommant de plus en plus de marchandises. Je reviens à cette question insistante. Mais c'est quoi le problème ? Qu'est-ce qui nous empêche vraiment d'éteindre l'incendie qui menace de ravager notre maison collective ? À mon avis, la réponse est plus simple qu'on tente de nous la faire croire. Si le nécessaire n'a pas encore été fait pour réduire les émissions, c'est parce que les politiques à mettre en œuvre sont fondamentalement incompatibles avec le capitalisme déréglementé dont l'idéologie a dominé pendant toute la période durant laquelle nous nous sommes démenés pour trouver une issue à la crise du climat. Si la situation ne se débloque pas, c'est parce que les mesures grâce auxquelles on aurait le plus de chances d'éviter la catastrophe et qui profiteraient à l'immense majorité de la population représentent une grave menace pour la minorité qui a la haute main sur l'économie, la sphère politique et la majorité des grands médias. Le dilemme est le suivant. Soit on laisse le bouleversement du climat transformer radicalement le monde, soit on transforme radicalement l'économie pour éviter le bouleversement du climat. Voici ce que le réchauffement de la planète va transformer. La sécurité personnelle et la santé, l'accès à l'alimentation, à l'eau et à la médecine, l'équilibre géopolitique et stratégique de la cohésion sociale et la paix elle-même. Dans ces conditions, pourrions-nous, s'il vous plaît, cesser de parler des générations futures ? Avec l'accélération du changement du climat, nous parlons de notre propre génération, ici et maintenant. Nous devrions d'ailleurs cesser de parler, il faut hurler. Jusqu'à présent, les dirigeants ne nous ont pas entendus. Antoine, 27 ans. Frédéric, 36 ans. Ayane, 53 ans. C'était le samedi 24 novembre, le 1er décembre, le 8 décembre. C'était à Bordeaux, à Tours. C'était place Péberlan, place Jean Jaurès. C'était sur le boulevard Roosevelt, dans le 11e.
Ça s'est passé le 9 février devant l'Assemblée nationale. Ce samedi-là, c'était comme on disait l'acte 2, l'acte 3, l'acte 4, l'acte 13. J'étais venu parce que avec mon seul salaire, ça ne suffisait pas. Quand on a sorti la nourriture, les frais, l'eau, l'électricité, le gasoil pour aller travailler, on arrive à peine à boucler la fin de mois. Moi, j'étais d'abord venu pour manifester pour le climat. Ce jour-là, on était allé manifester pour les services publics. On est très attaché aux services publics. Et aussi le ras-le-bol de voir les gens dans la misère. Tout est devenu cher. Études, loyers, nourriture, déplacements. C'était le ras-le-bol, tout simplement. Au début, il y avait une bonne ambiance. Il y avait du monde. Ça chantait des chansons, ça scandait des slogans. Ça arrivait gentiment. Très vite, on s'est aperçu que quelque chose clochait. Un mur de CRS nous attendait. Les CRS avaient fermé tous les ponts derrière nous et toutes les rues aussi. On ne comprend pas pourquoi le parcours a été modifié. Des gens partout, des gaz partout. On se demandait tous pourquoi ils gazaient. Soudain, la tension monte. Je vois un type qui prend un coup de matraque en s'approchant trop près des barrières. Ensuite, ça a été les flashballs. J'entends un truc qui tombe à côté de moi. Je me suis approché, je l'ai ramassé de la main droite parce que je suis droitier. J'ai ramassé la grenade pour la balancer où il n'y avait personne. Et c'est là que ça a explosé. Elle a explosé sur moi. Ça fait comme dans les films de guerre, où il y a un blanc et un sifflement dans les oreilles. Il y a eu un boum. Je sens un énorme choc. Ma première action, c'est de partir en courant, me tenant le bras, pour me mettre à l'abri. Je cours vers les gilets jaunes. Je me rappelle sentir comme des fourmis dans les mains. C'est la réaction des autres qui m'a alerté. On le voit bien sur la vidéo qui passait sur Internet après. Autour de moi, les gens s'écartent, les yeux écarquillés d'horreur. Résistance, 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 résistance. Et aujourd'hui, je vous dirai que non seulement il faut s'engager dans l'écriture, mais aussi dans la vie, il faut résister dans le scandale et dans la colère, plus que jamais. Naïfs comme des bêtes à abattoir, troublés comme des victimes, justement, il faut dire plus fort que jamais son mépris envers la bourgeoisie, hurler contre sa vulgarité, cracher sur l'irréalité qu'elle a choisie comme seule réalité, ne pas céder d'un acte ou d'un mot dans la haine totale contre elle, ses polices, ses magistratures, ses télévisions et ses journaux.
rassurez. Merci. Merci à vous toutes, à vous tous, salariés et bénévoles, qui avez, par votre entier dévouement et magnifique discipline, permis que cette belle démonstration puisse se faire aujourd'hui. Parce que c'est le début de l'année, et c'est en quelque sorte un début de campagne. Il fallait que ce soit un coup d'éclat, et c'est ce que nous sommes en train de faire. Dans la patrie de Jules Verne, après le meeting en réalité augmentée, voici le meeting immersif et olfactif, et en même temps, avec une expérience de vision à 360 degrés sur vos téléphones portables. Il s'agit de mettre en scène, en grand angle, pas seulement ici et là, des mots d'ordre, si juste soit-il et utile, mais la vision du monde que nous portons à travers les mesures que contient le programme L'Avenir en commun, programme de transition de la société dans laquelle nous vivons vers celle vers laquelle nous voulons nous diriger, la société de l'entraide dont le mot d'ordre n'est pas d'amender le capitalisme, mais d'aller à cette harmonie des êtres humains entre eux et avec la nature. Alors, il faut commencer par dire, si nous voulons faire une campagne utile à tous ces braves gens qui se désespèrent, ne sachant de quel côté se tourner pour comprendre ce qui leur arrive. Rien de ce qui nous arrive ne l'est par fatalité. Tout s'enracine en définitive dans la question sociale et dans la dénonciation de la cupidité d'un système, le système capitaliste qui domine notre société. La crise sanitaire n'a pas d'autre origine que la déforestation massive opérée pour produire à moins cher. Et parce qu'il y a cette déforestation, alors les animaux sauvages contaminent les animaux domestiques, et les animaux domestiques, les êtres humains, après avoir été martyrisés dans les élevages hyper-intensifs dans lesquels on les enferme. Et alors, la maladie se propage. Et alors, ils inventent des passes sanitaires et des vaccins à 1, 2, 3, 4, 5 doses, sans fermer un seul élevage intensif et sans faire cesser le martyre des animaux et le danger pour les êtres humains. Le changement climatique qui va provoquant des catastrophes croissantes n'a pas d'autre origine qu'un productivisme aveuglé. Produire toujours plus, n'importe quoi, n'importe comment, créer des désirs et des besoins, même s'ils n'existent pas. Et pour finir, arriver à cette chose inouïe et incroyable, qu'il y a 7 milliards d'êtres humains et qu'ils sont environnés à l'heure à laquelle nous parlons par un poids d'objets et de matériaux artificiels plus grand que celui de la totalité de la nature du monde dans lequel ils sont arrivés auparavant. Il est temps, plus que temps, de pratiquer la règle verte, c'est-à-dire de ne plus prendre à la nature davantage que ce qu'elle est capable de reconstituer avant que cette terre ne soit transformée en une poubelle aride dont on ne pourra plus rien tirer, alors même qu'on s'aperçoit que les sols baissent en fécondité comme jamais dans l'histoire. Il faudrait que nous ayons détruit, sachez-le, en 50 ans, la quantité de fertilité du sol qui s'était accumulée pendant 3 milliards et demi d'années. Tel est le scandale gigantesque du mode de production qui permet une telle destruction. Don't look up, évidemment, don't look up, ne regardez pas,
Ne voyez pas le malheur, ne le regardez pas, attendez, ça va s'arranger tout seul. Voilà ce qu'ils vous disent, c'est faux, ils détruisent tout, ils saccagent. Enfin, cette inégalité inouïe qui a surgi parmi les êtres humains, à rebours de la tendance profonde qui s'observait depuis un demi-siècle, depuis 100 ans, soudain la pente s'est renversée et l'inégalité va se creusant de nouveau, déclenchant à coup sûr une aggravation de la crise de civilisation dans laquelle nous allons être plongés de ce seul fait. Voyez, 25 personnes possèdent autant que la moitié des êtres humains sur cette planète. Voyez, 1% dans ce pays possède davantage que 25% de la totalité de la population. Voyez ces inégalités qui se creusent et qui produisent comme résultat que dans la 6e ou la 5e puissance du monde, il y a 9 millions de pauvres, 300 000 de plus qu'il y en avait en 2017 lorsque M. Macron a été élu. Il y a 8 millions de personnes qui nécessitent l'aide alimentaire. Il y a 12 millions de pauvres gens qui préfèrent avoir froid parce qu'ils n'ont pas le choix, parce qu'ils ne peuvent plus payer les factures d'électricité, d'énergie, de gaz, de fuel qui leur sont présentées. Une société ainsi divisée, une société où un nombre aussi considérable de personnes sont rivées aux tâches de survie, est une société qui résiste moins bien, qui résiste moins fort aux chocs qu'elle reçoit, comme ceux qu'elle va recevoir du changement climatique, comme ceux qu'elle va recevoir de la situation de crise sanitaire permanente vers laquelle nous nous avançons du fait de la gestion que j'ai dénoncée il y a un instant. La réplique que nous portons part de cette idée qu'il n'y a pas de fatalité à ce que nous endurons et que donc on peut frapper à la cause pour l'éradiquer et passer à un autre mode de vie. Il faut frapper le parasitisme et pour cela, il faut le blocage des prix de première nécessité avant que ne dévalent dans la pauvreté des millions de gens. Il faut une stricte limitation des frais bancaires qui empêche que tel détique certains accumulent de la richesse sur les plus pauvres, sur les plus démunis, sur ceux qui sont déjà dans tant de difficultés. Il faut un partage des richesses ferme, assumé, déclaré, qui ne se cache pas derrière des demi-expressions, des trois quarts de mots. Au moment où les revenus des milliardaires ont augmenté de 30 et de 40%, nous allons augmenter le salaire maximum dès le salaire minimum dès le premier jour à 1400 euros net. Et tout aussitôt, nous allons dégager les recettes dont nous avons besoin pour faire face aux immenses dépenses qu'il faut faire pour réparer les dégâts que ces gens ont fait pendant 30 ans en saccageant les services publics, en détruisant l'hôpital public, en démolissant l'école, en détruisant les transports collectifs. Nous allons trouver la ressource. Ce sera un impôt qui, au lieu de peser sur la classe moyenne centrale, sera réparti sur 14 tranches et où, à la dernière, on prend quasiment tout parce que personne n'a besoin de revenus 400 fois ou 500 fois supérieurs à un individu normal. C'est de cette manière-là que nous allons pouvoir recruter les enseignants, les soignants, les techniciens dont nous avons besoin partout. Et puis, comme il faut qu'à chaque dépense correspondent des recettes, alors oui, nous allons plonger dans la pauvreté des gens qui partiront avec seulement 12 millions d'euros. Et nous allons confisquer tout le reste au-dessus de 12 millions d'euros. 13 millions,
14 millions, 15 millions, hop ! J'ai dit longtemps, je prends tout, parce que ça m'amusait de voir leur mine déconfite. Mais maintenant, je veux dire les choses mieux. Je veux les dire avec plus de finesse. Je donne tout aux jeunes gens, à l'avenir de la patrie, la jeune génération dont nous avons impérativement besoin pour pouvoir tenir les défis du futur. Nous avons besoin qu'ils apprennent. Nous avons besoin que quand ils vont à l'école ou à la fac, ils ne fassent rien d'autre que d'apprendre, qu'ils n'aient pas besoin d'aller travailler tous les soirs, tous les week-ends. Oui, monsieur Macron, qui avait été encore assez odieux pour aller dire qu'on ne pouvait pas continuer un système dans lequel ça ne coûte rien d'aller à l'université. Non seulement ça ne va rien coûter, non seulement ça ne va rien coûter, mais avec nous ça va rapporter. Parce que tout ce qu'il y aura au-delà de 12 millions, nous le donnons aux jeunes gens, ceux de l'enseignement professionnel, dès la classe de seconde, et tous les étudiants, et ça fera 1063 euros par mois. Priorité au savoir, priorité à la science, priorité à la culture, priorité à tout ce qui rend meilleur l'être humain et qui permet par la transmission, la diffusion de la musique, de la chanson, de la peinture, de la science, d'être meilleurs êtres humains. Et dès lors que vous le serez, braves gens, alors la société tout entière pourra l'être parce qu'elle contiendra moins de bêtises et donc moins de racisme et de haine. Je vais vous montrer maintenant, à travers quelques tableaux, le monde dans les trois dimensions dans lesquelles je vous appelle à vous engager fermement. Ce sera d'abord la verticalité. Ce sera d'abord la verticalité. La plus grande, la plus phénoménale, la plus inouïe. Après Gutenberg qui nous a libérés des chaînes du temps en permettant que le savoir se transmette. Un jour, Youri Gagarin a été envoyé par l'URSS au-delà du biotope dans lequel nous vivions, c'est-à-dire la Terre. Et soudain, voici ceci, produit de la science, produit de l'intelligence humaine, incroyable. Au-delà de tous les biotopes, voici l'espace infini contenant, comme l'avait annoncé au XVIe siècle, Giordano Bruno, disant que cet univers infini contenait un nombre de mondes innombrables. Mais parmi ces mondes innombrables, qu'ils soient vides ou habités, il y a celui-ci que vous voyez là. C'est la Terre, voyez, bleue, la planète bleue, avec ce fin film qui l'entoure. Ce n'est pas seulement notre maison commune. Maintenant que nous autres, êtres humains, nous sommes lancés à la conquête de l'immensité de l'espace. C'est le nid de l'humanité. Et c'est ce nid que, par-dessus tout, il faut protéger. Regardez-le. Et quand vous le regardez, vous comprenez qu'il y a un intérêt général humain, parce qu'il n'y a qu'un seul écosystème qui permet la vie des êtres humains, celui-ci, cette planète bleue-ci, qui n'est pas changeable. Nous n'en avons pas de rechange. Et dès lors, il y a un peuple humain qui n'a de cette façon-ci aucune autre limite à ses intérêts mutuels que celui qui lui permet de vivre tous ensemble. Vu de l'espace, plus que jamais, le racisme est une absurdité et quelque chose qui n'a aucun sens et aucune nécessité pour permettre que les êtres humains vivent. Alors oui, la créolisation, c'est-à-dire l'échange, le jaillissement de l'inattendu, quand les cultures se parlent l'une à l'autre, s'interpénètrent et produisent quelque chose à quoi on ne s'attendait pas, mais qui est notre dénominateur commun, qui nous permet d'être des êtres humains. Parce que comme depuis le départ, la créolisation a d'abord permis à ces millions de pauvres gens que l'on avait arrachés à leur terre d'origine pour les plonger dans l'esclavage, leur a permis, parce qu'ils ont inventé une langue, de rester des êtres humains qui se parlaient et qui résistaient
car cette histoire-là est une histoire terrible de résistance. La créolisation qui vous rapproche vous permet d'être libre. Alors, que cela me permette, au moment où vous admirez cette merveille, que cela me permette de vous dire qu'il faut remettre à l'ordre du jour, et que je le ferai si je suis élu président de cette République française si singulière dans l'espace des nations, la question du désarmement nucléaire, parce qu'il n'est pas possible qu'on continue à stocker de quoi faire sauter 17 fois la planète. Oui, des fois, il y en a qui ricanent. On m'a même dit, pourquoi tu viens nous parler d'espace alors qu'il y a tant à faire à Terre? Mais précisément, c'est vu de l'espace qu'on comprend mieux tout ce qu'il y a à faire sur la Terre. Et puis, quand on est dans l'espace, ne croyez pas une seule seconde qu'on fasse autre chose que de s'occuper de la Terre. Des milliers d'applications dans vos téléphones et dans votre vie courante dépendent de l'espace. S'y trouver, être capable de s'y trouver, n'est pas un petit atout dont nous disposons, nous autres Français. Des milliers d'applications, météo, GPS, cartographie, surveillance écologique des traités internationaux, dont nous proposerons la signature le moment venu dans le cadre de cette diplomatie altermondialiste qui vaudra mille fois mieux que ces alliances militaires de l'OTAN et autres contrats d'agression contre tous les peuples à la botte des maîtres du monde. La France devenant une république non alignée, vous verrez qu'elle sera capable de regrouper et d'être entendue par toutes sortes de peuples et de nations qui viendront former avec elle des ententes pour faire triompher des points de vue comme celui du Tribunal climatique international, du droit mondial à l'accès à l'eau, combien d'autres choses de cette nature, le traité de gestion raisonnée des forêts que nous pourrons contrôler depuis l'espace. L'espace est au cœur de notre vie, mais il y aura aussi les grandes réformes. Si nous ne voulons pas, si nous ne voulons plus de ce capitalisme débridé sur la planète Terre, alors nous n'en voulons pas non plus dans l'espace. C'est la raison pour laquelle, si je suis élu, je me prendrai la tête d'une initiative pour aller contre la loi qu'ont votée les Nord-Américains qui, alors que l'espace était considéré comme propriété commune de l'humanité, ont décidé tout seuls et sans rien demander à personne que dorénavant, tout objet céleste qui passe dans l'univers infini est au premier qui s'en empare. C'est-à-dire la mentalité des conquérants, des surexploitants, des saccageurs, des ravageurs, des gens qui s'approprient tout contre tous les autres. Oui, nous ferons la bataille politique pour la démarchandisation de l'espace. Oui. Nous ferons la bataille politique pour le désarmement de l'espace, car l'espace doit rester un lieu de paix. On ne doit pas y embarquer des armes, ni pour tirer sur les autres satellites, ni pour tirer de l'espace sur la Terre, par exemple sur le dépôt de bombes nucléaires. Il faut désarmer l'espace. Monsieur Macron a commis une erreur terrible quand, à la suite des États-Unis d'Amérique qui en avaient d'abord décidé le principe, il a créé un état-major de l'espace sans une minute de discussion sur le sujet dans aucune des assemblées de ce pays, sans une minute de réflexion pour savoir si c'était la bonne idée et s'il ne fallait pas d'abord commencer par exiger la garantie du désarmement de l'espace. Il l'a fait comme il a fait tout le reste, parce qu'il l'a décidé tout seul, et que du moment qu'il l'a décidé, alors il pense que c'est bon pour tout le monde et que nous n'avons que le devoir de nous taire en faisant semblant de ne pas savoir que nous savons ce qu'il est en train de faire. C'est lui qui a organisé pour la première fois des manœuvres communes à propos de l'espace avec les Allemands, dont on se demande ce qu'ils viennent faire là, et les États-Unis d'Amérique. C'est lui qui a accepté que l'état-major de l'OTAN sur l'espace soit domicilié à Toulouse et dont je le prierai de repartir sitôt que mourrai élu. Non, ce ne sont pas des petites questions. Ces questions devraient être dans le débat de l'élection présidentielle, car c'est une des compétences du chef de l'État
dans la constitution de la Ve République que cette question de l'armement et du désarmement. Nous autres Français, d'où notre système de sécurité repose sur la dissuasion nucléaire. Si depuis l'espace il est possible de repérer les sous-marins français, si depuis l'espace il est possible d'avoir des cibles à terre, alors tout ce que nous avons constitué ne sert plus à rien. Évidemment, il faut trouver une autre manière de faire, notamment en matière de dissuasion depuis l'espace. Mais de cette mauvaise situation, nous pourrions tirer un avantage, qui serait de dire à toutes les nations, à quoi bon stocker 6000 ogives nucléaires, messieurs les Américains ? À quoi bon stocker 6000 ogives nucléaires, messieurs les Russes ? Puisque tout ça ne sert plus à rien, compte tenu de ce que nous faisons dans l'espace. Alors, le désarmement nucléaire pourrait trouver un nouvel élan sur la planète. N'en riez pas, n'en souriez pas, c'est essentiel. Un seul fou peut mettre le feu à la plaine. Une seule personne peut déclencher le feu mortel après lequel il n'y aura plus de planète. Et c'est le devoir de ceux qui ont des responsabilités que d'assumer la gestion saine, lucide, tempérée de ce genre de situation avec des propositions concrètes. Vous autres, Français, Françaises, je voudrais vous emmener dans cet enthousiasme de la performance dont nous sommes capables au service du reste de l'humanité. La France est une nation capable d'envoyer un objet qui lui-même tire un petit objet qui va sur une patate glacée dans l'univers qui s'appelait l'astéroïde Chury. Vous devez vous en souvenir. Nous savons le faire. Lorsqu'on a tiré le télescope James Webb récemment, cela s'est fait avec des fusées d'Arianespace. Et quand on a déployé ce satellite, les Français étaient dans le satellite eux aussi. Les Français sont donc 5 des 11 expéditions martiennes qu'il y a aujourd'hui. Les Français ont le 3e port spatial du monde. Les Français peuvent s'inscrire directement, ouvertement, à cette page nouvelle de l'histoire de l'humanité. Mais au lieu de le faire avec le seul souci d'accumuler pour nous-mêmes, le moment alors viendra où nous, nous dirons à nos frères et sœurs d'Afrique, nous leur dirons, vous vous êtes fait voler le 19e siècle avec l'esclavage, vous vous êtes fait voler le 20e siècle avec la colonisation. Alors nous autres Français, à cette étape, nous ne voulons aucune autre puissance que la puissance morale et la puissance intellectuelle. Et c'est pourquoi nous proposerons à tout le monde francophone de faire avec nous l'université de l'espace qui permettra à chaque peuple d'accéder aux moyens d'entrer dans l'espace. Ce sont des dizaines de milliers d'emplois qui sont ainsi concernés. Je vous ai dit donc, regardez-les une dernière fois, je vous emmène à la verticale. Là, c'est la station internationale. Là-bas, c'est un satellite de communication. Là, c'est la Lune. Celle-là, on nous l'a donnée. Les deux autres et quelques autres, c'est nous qui les avons créés. Et maintenant, on va partir de la verticale. On va aller à l'horizontale, la plus terrible et la plus nouvelle, la plus inconnue jusque-là, l'horizontale de la toile numérique. Celle qui, dorénavant, nous couvre tous, sous tous les horizons, partout dans le monde. Et à cet instant, dans beaucoup de vos poches. Vous-même, vous êtes unis à cette toile par vos cartes bancaires, par votre téléphone portable. Vous êtes des points qui composaient cette toile. Alors c'est le moment de s'intéresser à elle. C'est un espace qui n'existait pas auparavant. Et ce n'est pas une raison pour du coup l'abandonner à son sort et se dire, eh bien, c'est une nouveauté qu'il s'en débrouille. Pas du tout. Ce qui est en cause dans cette affaire, c'est évidemment des moyens considérables qui sont mis à la disposition de chacun de communiquer, de transmettre, d'aider. Mais c'est aussi, il faut le dire, la possibilité d'une menace sur notre liberté et sur notre souveraineté. 90% du trafic Internet mondial passe par les câbles. Alors les Français
doivent absolument avoir les moyens de poser eux-mêmes les câbles chaque fois qu'il en est nécessaire. Et, si je suis élu, je poserai le câble qui va de la Guyane au territoire de la métropole. Et je ne l'abandonnerai pas à la propriété des Nord-Américains. Peut-être qu'on fera un petit crochet par Cuba pour leur donner un petit coup de main. Mais nous avons besoin aussi que l'essentiel des données dont nous disposons soit conservé sur le territoire national et par des serveurs nationaux. Pourquoi ? Trouvez-vous normal que toutes les installations des missiles français soient équipées de logiciels nord-américains ? Trouvez-vous normal que toutes les données de santé que vous avez, que vous le vouliez ou non, si généreusement accepté de stocker, c'est Microsoft qui s'en occupe. Trouve-t-on normal que tant et tant de gens accèdent sans aucune difficulté à une connaissance approfondie qu'aucun d'entre nous en particulier n'a de notre peuple ? Non, ce n'est pas normal et nous voulons en garder la maîtrise. Nous voulons garder la maîtrise des câbles, la maîtrise des serveurs, la maîtrise des évaluations, parce que vous savez que même l'évaluation d'éducation nationale, c'est Amazon qui s'en charge. Nous voulons relocaliser l'industrie électronique, à commencer par les supports en silicium de l'usine de Ferropem que nous nationaliserons s'il le faut, s'il n'est pas possible de la remettre en route instantanément. Et puis, il nous faut affronter la question de la protection de la liberté individuelle. Et d'abord, équiper tout le pays d'un accès à l'Internet. Ensuite, faire en sorte que chaque personne puisse y accéder et que les premières quantités soient gratuites. Ce ne sont pas des questions éloignées, ce sont des questions très proches pour des millions de gens, pour qui c'est un casse-tête de ne pas pouvoir accéder à la circulation de l'Internet, qui pour remplir ses papiers, qui pour déclarer ses impôts, qui pour faire ceci, qui pour faire cela, parce qu'au nom du fait que l'on veut ménager le papier, parce qu'entre-temps tous ces gens sont devenus des protecteurs des arbres, alors on renvoie les gens vers d'autres consommations plus coûteuses et plus inaccessibles. Bien sûr, c'est bien que ce soit comme ça, mais alors il faut que tout le monde puisse y accéder. Nous avons droit à l'anonymat des données. Nous avons droit à l'oubli. Nous ne sommes pas d'accord pour que des machines conservent le souvenir de chacune de nos transactions, de chacune de nos commandes, que ce soit à la pharmacie ou au supermarché, pendant des années, établissant de chacun d'entre nous une sorte de carte qui lui permet d'en savoir parfois plus sur nous que nous-mêmes et sur nos goûts. Et puis maintenant, je veux venir à cette idée qui, une fois de plus, surgit seulement sous l'angle de la peur. L'intelligence artificielle. Il ne faut pas avoir peur de l'intelligence artificielle. Il faut se demander à quoi elle va servir. Là aussi, ce n'est pas une question lointaine. Il y a dans cette salle des gens qui ont des métiers, comme on dit, de bureau. Et on vous annonce que l'intelligence artificielle va vous remplacer tous. Ça reste à prouver, mais bon. Il vaut mieux prendre au sérieux ce genre de choses. Mais alors, une fois de plus, le problème est fort mal posé. L'intelligence artificielle va donc permettre d'accomplir certaines tâches à la place des gens. Eh bien, parfait. Que va devenir le temps ainsi libéré ? La question est de savoir si les gens vont se l'approprier ou s'il va être partagé. Autrement dit, est-ce que le temps libéré va produire encore plus de chômage, c'est-à-dire de l'inactivité forcée ? Ou bien est-ce qu'il va produire de la réduction du temps de travail ? Eh bien, nous optons pour la réduction du temps de travail. Le rétablissement des 35 heures en rendant plus cher les heures supplémentaires. Et l'ouverture de la discussion sur les 32 heures. Et on continuera comme ça chaque fois qu'il y aura des progrès. Parce que le progrès que la machine introduit, c'est de soulager la peine de l'être humain, pas de l'aggraver. Or, c'est ce qu'ils en ont fait. Le progrès technique est devenu un moyen d'aggraver la peine des êtres humains. C'est le monde à l'envers, parce que le capitalisme fonctionne continuellement, sachez-le, sur la gratuité. La gratuité du travail, parce que quand vous travaillez 39 heures ou 40 heures,
eh bien on ne vous payera pas la valeur des 40 heures de la richesse que vous avez produite. La plus grande partie restera appropriée par le possesseur des moyens de production. Je vous fais un petit cours d'économie au passage qui vous fait du bien. Donc ils vivent de la gratuité de votre travail. Il est temps que cela soit réparti sur tous et qu'enfin la machine produise l'effet qu'on attend d'elle, soulager la peine des êtres humains. La semaine de 35 heures et la retraite à 60 ans avec 40 annuités. Nous ne lâcherons pas prise. Il est inutile d'essayer de nous faire peur. Avec quoi allez-vous financer ça? C'est toujours la question. J'ai regardé dans le journal des débats à l'Assemblée, chaque fois que Jaurès ouvrait la bouche, il lui posait la même question. Comment financez-vous ça, monsieur Jaurès? Eh bien, je vais vous dire, si vraiment je dois faire rustique, je commence par du rustique. Vous n'avez qu'à payer les femmes comme les hommes et ça produira un surcroît de cotisations sociales qui permettra de payer la retraite. Vous m'avez cherché, vous me trouvez. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai d'autres idées. Alors à eux de choisir, je passe le râteau ou ils cèdent tout de suite. Parce que s'arranger avec moi est impossible. Et je crois que tout le monde l'a bien compris. Ça sera 60 ans et 40 annuités. Et je vais vous dire pourquoi. Pas seulement parce que c'est du bonheur de pouvoir à 60 ans avoir la totalité de son temps en temps libre après l'avoir eu toute sa vie en temps contraint. Mais aussi parce que c'est une mesure gigantesque d'économie. Car lorsqu'on part à la retraite plus tôt, messieurs les ballots, les benets, qui nous dites qu'il faut travailler longtemps parce qu'on vit plus longtemps, mais est-ce que vous êtes capable de comprendre qu'on vit plus longtemps parce qu'on travaillait moins longtemps? Parce que le travail use le corps, l'esprit, les nerfs. Et donc, la retraite à 60 ans, c'est une gigantesque économie. Premièrement, sur le budget de l'allocation chômage. Parce que quand vous obligez les gens à travailler jusqu'à 63 ans, vous savez aussi bien que moi qu'à partir de 59, ils ne trouvent plus de boulot et que vous les condamnez à se bouffer les ongles pendant 4 ans. Au mépris de leur mère, de leur santé. Ensuite, parce que si vous les faites quand même bosser, eh ben ils sont plus fatigués, le corps est plus détruit, l'usure vient, la maladie, et on doit évidemment, et c'est normal, la financer inconditionnellement, mesdames, messieurs. Inconditionnellement. Parce que monsieur Macron, qui est un danger public, tellement il est obsédé d'une mentalité de règles économiques complètement dépassées, qui sont celles du XXe siècle et peut-être du XIXe siècle, a trouvé cette idée que les devoirs venaient avant les droits, mélangeant ce qui est du registre de la vie privée avec le registre de la vie politique. Non, le seul devoir que vous ayez, c'est de respecter les droits des autres. C'est donc le droit qui est fondateur de la société politique, pas le devoir. Le devoir, c'est pour la famille, c'est pour les relations personnelles. Et pourquoi je vous dis ça? Pourquoi je fais un peu de philo avec vous? Parce que les mêmes gros malins sont venus derrière dire « Ah oui, pendant qu'on y est, à propos, ceux qui ne veulent pas se vacciner, est-ce qu'on les accueille quand même dans les services d'urgence? Comment pouvez-vous avoir une idée pareille? Comment êtes-vous fou à ce point-là de croire que ça pourrait être une attitude normale d'abandonner quelqu'un à la mort ou à la difficulté physique? Ah là 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 là, quel monde de brutes! Alors ça, c'était la toile. À cause de moi, comme il y a de la lumière, c'est un peu moins immersif que si vous étiez dans le noir. Hein? Mais quand même, ça l'est bien. Alors, la verticalité, l'horizontalité, maintenant, le plus beau, la profondeur. Celle qui occupe 70% de la planète. La mer, Thalassa. Le cri de l'expédition des 10 000, réapercevant la mer des mondes, la mer Méditerranée. Regardez-la, regardez sa puissance, sa force. Voilà la porte de sortie du nucléaire qui est devant vous. Elle contient 66 fois l'énergie dont on a besoin à terre. Elle est là pour toujours, la nuit, le jour.
avec le mouvement des marées, le mouvement des courants dans les profondeurs, la circulation de la Lune autour de notre planète. La mer qui commence le cycle de l'eau. Car c'est de la mer que part l'évaporation qui va donner la pluie, les rivières, l'eau que nous allons consommer. Tous les êtres vivants à la surface de la planète sont une reproduction différée de cette eau magnifique, celle de la mer. Le bien le plus précieux, avec ça, sur nos 1000 kilomètres de côte pour l'Hexagone, avec 50 éoliennes offshore, on a l'équivalent d'une centrale nucléaire, d'un réacteur nucléaire. Il faut sortir du nucléaire, pas par idéologie, parce que c'est dangereux, les gens. Et c'est de plus en plus dangereux, parce que vous entendez dire qu'à mesure que ces centrales vieillissent, eh bien, elles deviennent dangereuses. Ça n'a rien à voir avec la valeur des techniciens, des ouvrières et des ouvriers qui les servent. D'ailleurs, on les gardera tous, parce qu'il n'y a qu'eux qui savent comment on peut démonter un bazar pareil. Mais nous avons besoin d'en sortir parce que le danger est immense. Alors comment? Eh bien oui, il y aura des éoliennes offshore. Oui, il y aura des machines houlomotrices, on sait les faire. Oui, il y aura des machines qui prendront le mouvement du chaud et du froid, le froid qui est au fond, le chaud qui est au-dessus. On a déjà la plus grande machine à faire de l'air conditionné qui fonctionne pour l'hôpital de Papeete dans la Polynésie française. On sait faire tout ça. Eh bien, il n'y a plus qu'à s'y mettre. Alors, j'annonce que si nous gagnons l'élection, il va y avoir beaucoup, beaucoup de boulot à faire. Il va falloir se retrousser les manches, tous, et d'abord, les jeunes gens se retrousser l'esprit, parce que c'est eux qui sont dans les écoles où on les forme et qui vont nous mettre au point toutes ces machines. Les uns à les concevoir, les autres à les réaliser. C'est la raison pour laquelle tout notre système va de nouveau reposer sur l'impulsion que va donner la recherche fondamentale pour laquelle on remettra de l'argent. Et soit dit par parenthèse, on n'en remettra pas que pour les sciences dures, on en mettra aussi pour les sciences humaines et les sciences sociales, parce que quand la société va si mal, on a besoin qu'on vienne nous aider. Et puis, il nous faut fabriquer et produire ces milliers de cadres intermédiaires sans lesquels il n'existe aucune réindustrialisation possible, qui sont ceux qui passent par la voie professionnelle, les bacheliers professionnels en métallurgie, en maintenance des systèmes automatisés, etc., etc., etc. Les BTS, les brevets de techniciens supérieurs, qui sont l'aristocratie du monde du travail, parce que c'est eux qui sont à la fois dans le savoir-faire et dans le savoir-commander. Bref, de tous ces gens qui sont la véritable chair vivante de notre pays, capable de le faire avancer. Parce que j'entends des tas de gens dire « Ah oui, il faut réindustrialiser, réindustrialiser ». Mais pourquoi faire? Il faudrait nous le dire. Ça n'a pas de sens. C'est exactement comme ceux qui me disent « Il faut un ministère de l'Agriculture ». Mais pourquoi faire? Pour produire quoi? On voudrait le savoir. C'est bien la raison pour laquelle je propose qu'on se passe de ministère de l'Agriculture et qu'on fasse un ministère de la production alimentaire, parce qu'au moins ça dit à quoi ça sert, et qu'on veut manger du bon, du propre, du bio. De la même manière, il faut dire ce qu'on a l'intention de développer. On ne va pas développer tout et n'importe quoi. On ne va pas dire, comme disait M. Hollande ou comme répète M. Macron, c'est l'offre qui fait la demande. Alors je vous propose quelque chose, pas cher évidemment, parce que j'ai surexploité les travailleurs et massacré la nature, sans rien réparer. Je vous le propose à pas cher, alors achetez-le. Qu'est-ce que c'est? On ne sait pas, une machine à se gratter le dos, un truc à mettre des gifles. Bon, je caricature, mais vous comprenez tous ce que je veux dire. D'abord, il faut faire face aux besoins élémentaires, les choses dont on a besoin, pour avoir, par exemple, un appareil sanitaire autonome, où nous fabriquons nous-mêmes ce dont nous avons besoin. Et s'il y en a trop, on le donnera aux autres. Voilà ce qu'on fera. Vous pouvez vous passer de tout, sauf d'eau. Vous ne pouvez pas. Alors, il est temps de se rendre compte que le peuple humain tout entier boit l'eau que tout le monde salit. Et vous autres, c'est le moment de réaliser. Quand vous voyez les Guadeloupéens et les Martiniquais protester comme ils le font à juste titre, qu'on leur a menti quand on leur a dit que ça risquait rien de foutre du chlordécone partout, qui est un pesticide dans les plantations, parce que maintenant,
quand vous faites une prise de sang et que vous trouvez du chlordécone, c'est un Guadeloupéen ou un Martiniquais parce que 90% d'entre eux sont contaminés. Mais vous, est-ce que vous avez bien tous compris que 90% et même plus d'entre vous sont déjà contaminés aux pesticides, parce que cela a été établi. Et quand on dit le pesticide, c'est des choses comme glyphosate, qualifiées de probablement cancérigènes. Eh bien, que ceux qui veulent avoir des certitudes en boivent quelques bonnes lampées, ça les mettra du bon côté. Et pour les autres, non, on n'en veut pas. Il faut comprendre, c'est pourquoi on interdira séance tenante. Parce que le pire, les gens, le ministre a dit que j'étais simpliste, vous comprenez ? Au motif que je ne veux pas mourir. Ça me paraît être un simplisme assez partagé. Je préférerais que mes arrière-petits-enfants naissent à peu près dans la configuration physique que la mienne ou celle de sa mère. Et ça me paraît en effet assez simpliste. Eh bien oui, j'assume. Ça va être simpliste. Parce que voyez-vous, c'est pas seulement le glyphosate le problème. C'est que le glyphosate qui est présent chez vous tous, qui est présent dans 90% des rivières françaises, le glyphosate, il se décompose et il produit d'autres particules qui sont au moins aussi violentes que lui-même, mais parfois plus. Mais celle-là, mesdames, messieurs, mais celle-là, on ne les recherche pas. On ne fait pas d'analyse pour les trouver. Et donc, on ne sait pas où elles sont et en quelle quantité. Et après ça, c'est nous qu'on viendra traiter d'irresponsables, de simplistes qui ne comprennent pas l'économie parce que nous avons l'idée simpliste que l'économie devrait être au service des êtres humains et pas l'inverse. C'est-à-dire pas l'inverse, pas au point de boire du glyphosate et de décomposer du diglyphosate. Voilà. Voilà la situation dans laquelle nous sommes. Vous devez protéger l'eau. Cette eau-là, avant qu'elle arrive dans la mer, vous devez filtrer les eaux et construire les installations pour ça. Avant qu'elle arrive dans la mer, vous ne devez pas y jeter vos plastiques, parce que vous en jetez sans arrêt, pas vous, pauvres gens, qui n'avez rien demandé de semblable. Il faudra donc non seulement interdire les objets en plastique jetables, mais c'est le plastique lui-même qu'il faut faire reculer pour qu'il ne soit plus produit qu'en toute petite quantité absolument indispensable. Nous savons faire des produits voisins avec les algues, et il y a des brevets qui existent en Bretagne, il y a des entreprises qui savent le faire, donc qu'on ne vienne pas me dire que ce n'est pas possible. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'au rythme où on va, il y aura plus de plastique dans la mer Méditerranée que de poissons d'ici à 2050, c'est une certitude. Au train où l'on va, on sait déjà que le plastique qui a été jeté dans la mer, partant en micro-particules que plus personne ne peut ramasser, part avec l'évaporation, et avec l'évaporation se répand sur les glaciers du Mont-Blanc, s'il en reste, et dans les glaces du Groenland, au point qu'on interdit aux femmes enceintes du Groenland de manger du poisson parce que ces animaux sont remplis de plastique. Voilà le monde qu'ils vous ont laissé. Voilà le monde qu'ils nous ont fabriqué. Nous sommes innocents. Nous n'avons rien à voir avec ce saccage. Pourquoi faudrait-il que tant de gens en payent le prix dans leur vie, dans leur santé, dans leur chair, dans celle de leurs enfants ? Justice pour nous tous, une écologie pratique et sans compromis. Allez la régie, soyez sympa, laissez-moi la mer pour la dernière partie de mon propos. Vous vous imaginez la première fois qu'ils sont arrivés au bord de ça ? Alors les petites bandes humaines, les êtres humains dépendent d'aucun biotope, c'est comme les rats et les cafards. C'est plus sympathique à notre avis, mais un rat pourrait dire les choses autrement. Et alors ils se sont déplacés. Enfin bref, ils immigraient, ils ne savaient pas que c'était une mauvaise idée. On ne leur avait pas dit. Et ils allaient chaque fois un peu plus loin. Et chaque fois qu'ils arrivaient quelque part, et bien patatras, c'était plus ce qu'ils avaient fait avant. Alors on inventait des choses et des techniques. Les unes raisonnées, les autres par hasard. Et puis quand on savait faire, et bien on l'enseignait à la génération suivante. Si bien que l'émigration a été le facteur numéro un de progrès dans l'histoire de l'humanité. Je le rappelle, juste pour qu'on s'en souvienne, hein.
Après, Mme Le Pen va dire « Monsieur Mélenchon, il veut que tout le monde vienne ». Non, mais ce qu'elle n'a pas compris, c'est que personne ne veut venir. D'abord parce qu'elle est là et que ça dégoûte tout le monde. Et deuxièmement, parce que les gens, ils viennent pas là par plaisir. Il faudrait qu'on le lui explique un jour. Ceux qui sont pas nés avec une cuillère d'argent dans la bouche comme elle et les autres, ils s'en vont parce qu'ils peuvent pas faire autrement. Et moi, ce que je propose, c'est qu'ils aient plus besoin de s'en aller. Parce que j'en ai marre que la mer Méditerranée soit le plus grand cimetière du monde, avec 30 000 qui ont déjà disparu. Alors, on a vu la hauteur, la profondeur, l'horizontale. Et maintenant, il y a nous. Nous, les êtres humains, qui sommes titulaires depuis la Grande Révolution de droits imprescriptibles, mode qui s'est répandu à toute l'humanité. La Grande Révolution de 89, pourquoi elle nous est si chère ? Et pourquoi nous tous, de génération en génération, nous devons emporter le souvenir et les noms illustres ? Parce que c'est la révolution de notre liberté. C'est celle qui a posé le fait que chaque être humain était semblable à l'autre et que donc il avait des droits égaux. Un jour, j'ai demandé à un scientifique, un professeur de fac, je lui dis, toutes ces révoltes d'esclaves qu'il y avait ici, là, comment expliquez-vous qu'il n'y ait pas eu un embrasement général de tous à la fois ? Et ce professeur m'a dit, monsieur Mélenchon, pour qu'une idée puisse devenir une force matérielle de cette amplitude, il faut qu'elle soit portée comme un droit commun. C'est-à-dire qu'on défend sa dignité et son égalité quand on sait que la dignité et l'égalité est un droit de chaque personne humaine et pas seulement de celui qui commande, de celle qui possède, etc., etc. Répandez l'idée d'égalité et vous répandrez l'idée d'égalité des droits, de similitude entre les êtres humains. Semblable, ça ne veut pas dire identique, semblable. Ce sont les mots terribles que j'ai vus inscrits sur la charte de ces pauvres gens de Champagner dans la Haute-Saône qui demandaient qu'on arrête en 1766 de faire de l'esclavage parce qu'on leur avait dit qu'il y en avait. Ils disaient ce sont nos semblables. Le mot semblable claque comme un drapeau. Nous sommes les semblables et d'abord les semblables de tous les pauvres gens qui ne peuvent se défendre, qui n'ont pas de voix, qui sont humiliés, qui sont radiés, dont on détruit les pauvres couvertures. C'est nous qui les portons sur notre dos à cet instant. Alors il y a une règle de fer dont tout le monde doit se souvenir. La déclaration y est écrite dessus. Déclaration des droits de l'homme, on voulait dire des droits de l'être humain, et du citoyen. Parce qu'il n'y a aucun droit qui vaut quoi que ce soit, sinon un vœu pieux, s'il n'y a pas des gens pour le faire respecter. Et le faire respecter, c'est exercer le pouvoir. Et exercer le pouvoir, c'est la citoyenneté. Voilà pourquoi c'est la règle numéro un. Il y a toujours des gens pour vous dire « on verra après ». Non, on ne verra pas après, on verra tout de suite. C'est pour ça qu'on va convoquer une assemblée constituante. C'est pour ça qu'on va passer à la 6e République. C'est pour ça qu'on appliquera le droit de révoquer les élus lorsque vous estimez qu'ils vous ont trahi. Alors Dupond-Moretti a dit « Ah, vous êtes en train d'inventer le mandat impératif, un élu, il doit pouvoir. » Il doit pouvoir quoi ? Quand on a écouté la fin de son discours, ça voulait dire « Un élu, il a le droit de pouvoir faire exactement le contraire de ce que veulent les gens sans que ceux-ci ne puissent rien contre lui. » On n'est pas d'accord. Nous voulons marier la stabilité des institutions qui est nécessaire pour gouverner une grande société, nombreuse comme la nôtre, et le pouvoir d'intervention permanent du peuple à travers des institutions nouvelles comme le référendum d'initiative citoyenne, le référendum révocatoire. C'est à ce prix que vous pouvez vous dire libre. Sinon, vous ne l'êtes pas. Et en ce moment, vous êtes en train de vous en rendre compte. Quand vous allez ici et là et qu'il vous faut sortir votre passe sanitaire, qui ne sert strictement à rien d'autre qu'à vous contrôler, qui ne protège personne de rien du tout,
qui est devenu entre-temps, sans doute aujourd'hui, j'aurai pas le temps de rentrer assez vite, le pass vaccinal, tout ça ne sert à rien. Et alors, on va déclencher des situations dont je vous demande de partager l'humour. Imaginez que dans tel restaurant où l'on a besoin de monde, on demande à un travailleur, qui par ailleurs s'avère être sans papier, de contrôler les passes sanitaires des gens qui rentrent et, pour faire plaisir à M. Macron, afin d'éviter les fraudes, de vérifier la carte d'identité. Par exemple, d'un policier qui, comme c'est bien son droit, et que c'est le week-end, sort avec sa dame, ou la dame avec le monsieur, et vont au restaurant et se font contrôler par quelqu'un qui leur dit « montrez-moi le pass sanitaire ». Et que l'autre répond « mais pas du tout, je ne vous le montrerai pas, d'ailleurs vous avez une tête suspecte, vu que, bon, hein, pas la peine que je vous dise ». Et alors l'autre insiste, il dit « écoutez-moi monsieur, je ne vous connais pas, mais je fais mon boulot, je contrôle hein ». Et alors le gars va dire « ah ben vous ne savez pas que nous autres policiers, on n'a pas besoin de pass sanitaire ». Parce que M. Darmanin nous en a exemptés. Voilà la société des ubus, c'est n'importe quoi. Mais en attendant, continuellement, vous êtes contrôlés. Continuellement surveillés. Et quand on leur dit c'est la société du contrôle généralisé, ils nous disent « ah oui, mais un peu moins de liberté pour plus de santé ». Eh bien, vous ne serez pas en meilleure santé parce que vous êtes moins libre. Faites-moi confiance. Si vous n'avez aucune possibilité d'examiner ce qu'on est en train de vous faire et ce à quoi on veut vous contraindre. Alors, je ne peux pas aller vers ma conclusion, puisque je veux remercier les chaînes d'information en continu qui me rediffusent, sans vous parler de ceux qui agitent le landerneau. J'ai beau prendre le problème par le bout que je veux et dire matin, midi et soir que je ne suis pas concerné par les aventures du centre-gauche et leurs disputes internes, on continue à me poser des questions. Et c'est sans arrêt. Et sans arrêt, je viens, je dis, alors, le désarmement spatial, oui, mais Madame Taubira. Remarquez, ça me change. Avant, c'était, et la sécurité ? Mais où ? Eh bien, la sécurité, en général, Monsieur Mélenchon. Ou bien, la Russie, parce qu'il paraît que je suis suspect. Je suis le seul homme politique qui dit que les Russes sont des partenaires, donc ça me rend suspect à tous les amis de l'ambassade des États-Unis à Paris. N'est-ce pas ? Pourtant, je suis le seul homme politique qui a été à Moscou rencontrer le président du Front de Gauche, Sergueï Oudaltsov, un opposant qui s'est tapé 4 ans et demi de prison. Alors, c'est vrai, je ne suis pas allé voir l'antisémite Navalny, je suis allé voir Oudaltsov. Bref, ça me change. Nous ne sommes pas concernés par les mésaventures du centre-gauche. Et nous n'irons pas nous disputer avec eux, parce que nous ne sommes pas concernés par la compétition entre le Parti radical de gauche de Mme Taubira et le Parti socialiste de Mme Hidalgo. Pendant des années, ils ont été alliés, ils s'en débrouillent. Mais s'il vous plaît, respectez-nous. Laissez-nous faire campagne, convaincre des gens. Quel est le sérieux de gens qui prétendent être une force gouvernementale et qui, 80 jours avant l'élection, n'ont aucune certitude, ni sur le candidat, ni sur le programme. Oh là 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 là! Écoutez-moi. Faites confiance à une tortue électorale sagace comme moi. Rien ne sert de courir. Il faut partir à point. Et j'ai déjà épuisé quelques lièvres, hein. Je vais avec vous mon chemin. Tout doucement, au milieu des menteurs, des sarcasmes, des sondeurs qui ne sondent que leurs amis, et qui ont écarté les milieux populaires, puisqu'ils ne les comptent pas dans le résultat du sondage, parce qu'ils ne sont pas sûrs d'aller voter. Et comme tous les jours, ils leur montrent que de toute façon, vous faites ce que vous voulez, il pleut, il neige, il vente, vous êtes vacciné, dévacciné, revacciné, vous rentrez, vous sortez, vous avez le masque, vous l'enlevez, vous mettez un test, vous le reposez par terre, votre gosse, etc. Bref, quoi qu'il arrive, de toute façon, M. Macron est certain d'être réélu, paraît-il. Mais à force de répandre de la désespérance, j'ai oublié les autres là, qui sautent râle. Alors encore pire ceux-là.
Tout est perdu si nous ne sommes pas unis. Pardon, c'est si nous sommes unis que tout est perdu. Comment je fais, moi, pour faire l'union qui ne soit pas la confusion? Alors, je suis venu vous voir avec toute l'équipe qui est là, et on vous a dit, on va faire la retraite à 60 ans et 40 annuités, mais Madame Hidalgo, elle a dit qu'elle veut sanctuariser la retraite à 62 ans, que c'est même pas elle qui l'a inventée, c'est Sarkozy. Les 43 annuités, par contre, c'est elle et son copain Hollande. Alors, je vais faire avec eux quoi? Alors, on va discuter. 40 ans, 42, 41 ans, 41 et demi, parce qu'alors, ils peuvent passer des heures à ça. Nous, ça nous fatigue. On préfère faire, avancer, bravo, et musique en tête, et on avance. Voilà. Mais, à force, il y a des gens qui ça désespère. Et je voudrais dire que je les comprends. Parce que moi aussi, j'ai appartenu à une génération où on s'est battu pour l'union. Mais à l'époque, l'union, c'était le changement. Tu faisais l'union pour avoir ta retraite à 60 ans. Et quand on y allait avec les cocos, porte à porte, alors les gens nous disaient « Ah, c'est bien, vous êtes jeunes, vous y croyez, ça ne sera pas pour nous. » Eh bien si, ça a été pour eux. Donc là, s'ils votent pour nous, ça sera pour eux, pour tout le monde. Donc, ce n'est pas d'union dont on a besoin. C'est de clarté et de mobilisation populaire. Vous ne pouvez pas mobiliser si vous donnez l'impression que vous êtes un menteur qui va ensuite arranger ses carabistouilles dans un coin avec ses copains des autres partis. Je ne suis pas leur copain. Que cela soit dit une bonne fois pour toutes. Mais, comme j'entends ceux qui disent « Mais alors quoi, vous voulez voir personne ?» Enfin, écoutez, quand même, il y a un Parlement de l'Union populaire, il y a des gens très divers là-dedans. On leur demande pas hein, ce qu'ils pensent avant, s'ils sont marxistes, s'ils sont chrétiens, s'ils sont musulmans, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est est-ce qu'on est d'accord sur le programme et sur ce qu'on va faire ensemble. On est d'accord, très bien, on avance. Alors, je demande aux gens, aux électeurs, les femmes et les hommes des milieux populaires, alors cette fois-ci, il faut vous bouger, d'accord? Si vous aidez pas, eh bien, ça ne va pas se faire tout seul. Et nous, on ne peut pas tout porter sur notre dos. Donc, c'est votre tour de vous y mettre. Et si vous me mettez au deuxième tour, si vous me redonnez la force que vous m'avez donnée la dernière fois, pas plus, 7 millions de voix, si vous me donnez cette force comme candidat et que vous la donnez en même temps, parce que c'est moi, au programme L'Avenir en Commun, alors vous mettez de l'ordre. Alors vous disperserez la confusion, parce que moi je prends l'engagement, après avoir consulté mes amis qui en sont tous d'accord, que si nous arrivons au deuxième tour, nous accueillerons tous ceux qui veulent participer à la mise en œuvre du programme et nous sommes d'accord pour en discuter de la forme d'application. Mais on fera l'union et on saura pourquoi faire. Si vous voulez épargner à tous ces gens la souffrance du ridicule, la souffrance de leur polémique interminable, eh bien, regroupez-vous avec nous. Et moi, au deuxième tour, j'en fais mon affaire. Vous verrez que j'aurai pas trop de mal à les convaincre, je les connais. Ne vous laissez pas impressionner par la campagne de déprime. Tout est perdu, ça ne sert à rien. Et quand vous voyez courir à vous des chaînes de télévision, tout à fait respectables, qui viennent dire « Vous ne croyez pas que l'union est indispensable ?» Ah, comme ça me fait du bien de voir le Figaro se soucier de l'union de la gauche. Et le bonheur de voir telle grande chaîne se préoccuper de savoir si vraiment je vais pouvoir m'entendre avec Christiane Taubira. Je m'entends très bien, je la connais. C'est une femme très sympathique. Il se trouve qu'on n'est pas tout à fait d'accord. Mais ça n'empêche pas qu'on se supporte bien. C'est pas le sujet. Pourquoi ils viennent me saouler avec ça? Pour arriver à dire, vous comprenez, c'est leur faute. Regardez-les, ils sont ridicules. Nous n'avons rien à voir avec ça. Je le redis encore une fois, nous n'avons rien à voir avec ça. Notre proposition est claire. On se retrouve parce que les Français l'auront décidé. Si vous décidez de me mettre au deuxième tour, c'est que vous savez où vous voulez aller. Pas seulement vous qui êtes dans cette salle, parce que vous avez déjà votre idée sur le sujet, mais tous les autres. Et à ce moment-là, on fera ce qu'on sait qui est attendu par le grand nombre du peuple français, c'est-à-dire faire le programme et puis discuter de tout ça. Voilà. Bon, 59 minutes.
Les collaborateurs vont apprécier, j'espère. Ça fait 3 jours qu'on enlève des choses au discours. Parce que vous savez, un discours, le problème, c'est pas ce qu'on va dire, c'est ce qu'on va pas dire. Parce que là, je peux rester 3 heures, hein, si vous voulez. Et voilà. Alors. Bon. Faut que je termine mon travail. J'ai d'autres rendez-vous pour vous. Déjà, si vous aimez les choses qui sont un peu surprenantes, le 5 avril, je vous redonne rendez-vous dans 6 villes à la fois, parce que ça sera le retour de l'hologramme. Mais avant ça, je ne sais pas comment je vais m'habiller pour le prochain hologramme. Il faut avoir une tenue claire. Moi, je trouve que ça habille moins chic, la tenue claire. C'est peut-être parce que je... Il rigole, là. Il va mourir de rire. Et je sais pas. Peut-être que c'est parce que je suis gourmand que j'ai un doute sur les tenues claires. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais vous êtes en clair, vous. Eh ben, ça vous va, vous. Ah ben, vous profitez moins que moi. Voilà, c'est tout. Alors, ça m'a éloigné du sujet. Hein. Vous allez voir que non. Le plus important, on se retrouve avant, il va y avoir des meetings partout, et des réunions publiques. En ce moment, il y en a 2 par semaine, parfois 3, qui ont lieu dans tout le pays. On est assez content parce qu'il y a pas mal de monde qui vient, en tout cas un nombre supérieur à ce qui se voit en toute autre circonstance. Donc c'est signe qu'en ce moment, c'est en train de frémir. Hein. Alors évidemment, il y a toujours les petits bourgeois qui ne sont pas contents de M. Mélenchon parce qu'il a mauvais caractère, blablabla, comme on leur a dit matin, midi et soir, hein, ils le croient. C'est pas que faux, mais c'est pas que juste. Hein? Non, mais à la fin, c'est fatigant, quoi. Chaque fois qu'il y en a un ou une qui arrive, il dit « Je ne suis pas d'accord avec lui sur tout. » Ben moi non plus, je ne suis pas d'accord avec tout. Hein, et ça ne m'empêche pas de le faire. Et ce n'est pas la peine de mettre des limites, des réserves. C'est pas le sujet. C'est ça qui nous réunit. Voilà, c'est le programme. Alors, le 20 mars, à pied, à cheval, en voiture, à bicyclette, à 4 pattes, sur le dos du copain. Rendez-vous à Paris pour la grande marche pour la 6e République et le partage des richesses. Je note ceux qui applaudissent. Hein. Il faut que vous soyez tous là. Vous savez pourquoi? Parce que comme vous êtes là déjà, et vous avez fait l'effort tous d'être là, puis certains d'entre vous sont arrivés pile à l'heure pour être sûrs d'être dedans. C'est bien. Mais vous donnez une énergie, à moi d'abord, aux copains qui sont là au premier rang. Vous donnez une énergie à nous, vous donnez de l'énergie à tous les gens qui vous voient, parce qu'ils se disent « Ah, eh bien je savais bien qu'on n'avait pas disparu. Nous revoilà, nous sommes la grande force, vos visages sont très différents. Des hommes, des femmes, des jeunes, des vieux. Toutes les couleurs sont là. La France, non, la France, c'est pas un pays raciste. Non, la France, c'est pas un pays d'égoïste. La France, c'est eux. Et ça donne du courage à des tas de gens de vous voir. Donc, quand ils vont vous voir déferler le 20 mars dans la rue pour la 6e République, on sera à quelques jours de l'élection. Vous allez donner du courage, de l'enthousiasme. Vous donnerez de l'élan à ceux qui hésitaient. C'est à ça que ça servira. Et puis vous autres qui avez de la culture au point que vous êtes là dans cette salle, vous vous souviendrez à jamais de ceux qui nous ont précédés dans le combat, les communardes et les communards qui avant nous ont tracé la voie d'une société d'égalité en résistant à l'invasion. Ah, c'est une fin dure et terrible que la leur, mais ils n'auront pas souffert pour rien, ils n'auront pas ouvert le chemin pour rien. Puisque nous voilà, puisque nous sommes toujours là, que nous sommes leurs enfants, leurs héritiers, nous portons leurs mains et leurs paroles à cet instant.
Et c'est pourquoi j'achève avec Louise Michel. La communarde, courageuse, il la juge. Alors, ça ne faisait plus un mois après de fusiller les femmes. Alors le juge hésite. Et elle lui dit, mais pourquoi vous hésitez? Je suis une communarde, je vous ai tiré dessus. Alors, si vous assumez ce que vous êtes et ce que vous êtes en train de faire, fusillez-moi. Et c'est l'autre qui s'est dégonflé. Alors, ils l'ont déportée, elle, au bagne, en Nouvelle-Calédonie. Et au bagne, en Nouvelle-Calédonie, en 1878, il y a eu une énorme révolte des Kanaks contre l'occupation qui était là. Et à ce moment-là, tous les Européens ont pris les armes pour tirer sur les Kanaks. Sauf Louise Michel, parce qu'elle avait été institutrice des petits Kanaks, et qu'elle a dit « Nous sommes semblables en humanité, je ne vous tire pas dessus ». Voilà la leçon de courage inflexible qu'il faut porter en nous, que nous donne cette femme-là. Et c'est avec ça que je finis. Chacun, dit Louise Michel, chacun cherche sa route. Nous cherchons la nôtre. Et nous pensons que le jour où le règne de la liberté, de l'égalité, et de la fraternité sera arrivé, le genre humain sera heureux. Vive la République !